Et salut à tous, c'est Formule G du 92, membre de la chaîne de French Open, le youtubeur qui vous propose une nouvelle caméra embarquée. Alors cette semaine vous aurez deux caméras embarquées, vous en aurez une avec la Chevrolet Corvette C5R GT1, sur le circuit de Newton, et là on est à Long Beach, en Californie, aux États-Unis, au volant de la Koenigsegg modèle GT1. Circuit de Long Beach, alors là vous me direz, pour vous les connaisseurs, je ne sais même pas si c'est le tracé Grand Prix de Formule 1 celui-là, je ne sais même pas. Moi je ne suis pas un spécialiste, hein. Pourtant, ce qui concerne les circuits californiens, hormis Laguna Seca et Sonoma, je ne suis pas très fan des circuits automobiles californiens. Moi j'ai tendance à préférer celui du Texas ou du Détroit. Que je connais le mieux, c'est la Floride avec comme style Daytona, circuit de Miami, les formes bleues, encore Saint-Pétersbourg, et j'en passe, il y en a plein. On est à bord de la Koenigsegg CCGT. Attention là. C'est moins une. Hein. Oh là là, mais j'ai intérêt à me concentrer là. Là, je m'enflamme un petit peu trop là. Là sur le volant, c'est un miles par heure. Le compteur en kilomètre, vous l'avez en bas de votre écran. Oh là là, là je suis carrément venu dire bonjour au mur. On est parti sur un petit tour à fond. Ouais, alors là, je me suis loupé. Voilà, Koenigsegg CCGT, je ne la pilote pas souvent. Ce jeu-là, c'est pour ça que je l'ai pris, au moins pour pouvoir me perfectionner avec. Marque de voiture suédoise avec la Koenigsegg Agera, la One 1, la Riviera, que des grosses bagnoles, gros supercar européenne, un peu comme la Bugatti Veyron ou encore autre supercar et parkour comme la McLaren perd aujourd'hui. Ou le Ferrari FXX. Pas mieux me rattraper. Voilà, bah, il faut dire, franchement, pour maîtriser les freins, ce circuit urbain, c'est vraiment difficile. Hein. Encore plus dans une bûche. Hein. Donc, des fois, j'ai facilement l'habitude. Dans une bûche, c'est un peu plus compliqué. Hein.
100 miles par heure, ça fait 160 km/h. Déjà un premier indice. Normalement, hein. Un peu plus 160 km/h. C'est un circuit que je connais bien, que je sais même pas si c'est le circuit entre guillemets, le circuit d'une telle discipline ou pas, c'est ça qui m'énerve le plus. Les trois, j'ai réussi facilement à le reconnaître, alors que là, Long Beach, je n'en ai pas du tout. J'ai déjà dit sur un certain point que pour moi, de commenter les vidéos, c'est déjà assez difficile. J'espère que ça vous aura plu, chers viewers, chers abonnés, cette vidéo. Donc, un dernier petit tour, et donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao, et regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça c'est le tout dernier tour que je vous propose de cette caméra embarquée.